On les entend bien, hein. On les entend super bien. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je finis de m'installer, j'arrive. Oui, il fait chaud, c'est les ventilos. Je vous ai dit, on dirait un avion. J'ai l'impression d'être dans un zinc. Alors, je regarde les vues mètres. Quand je ne parle pas, ils sont déjà aux trois quarts. Donc j'imagine ce que ça doit faire dans le stream, c'est pas mal. Bienvenue si t'es venu t'égarer ce soir sur Twitch. On est en mode été, hein. Donc c'est pas une review, c'est pas un truc officiel, c'est juste un jeu que je vais essayer. Je suis curieux, j'ai fait les soldes. Et oui, comme tous les abrutis, je claque de l'argent que je n'ai pas. Et donc, j'ai récupéré Kamui, qui a un petit shmup sympa, paraît-il. Et qui était vraiment un montant tout à fait riquiqui, hein. Je crois qu'il était à 1 €, hein, une connerie comme ça. Donc 1 € le shmup, même s'il n'est pas terrible terrible, on peut lui pardonner beaucoup de choses, quoi. Donc installez-vous, je vais continuer de m'installer moi aussi, le jeu est en train de s'installer, tout le monde s'installe, je vais aller me chercher un grand verre d'eau, je vous garantis que c'est pas du pipeau, hein. Le show là, je suis à 31, donc avec le stream qui enregistre en plus, la machine va suer. Je désespère pas qu'on finisse ensemble le stream à 34 degrés. Je reviens tout de suite. Le thé sera chaud sous le t-shirt dans les maillots. Qu'est-ce que c'était naze ce morceau, la vache. Oui, alors ceux qui se souviennent ont le droit de dire pareil. Et ceux qui se souviennent et qui sont dégoûtés parce qu'ils appréciaient ce morceau, ben, je suis désolé. Je suis juste désolé. Alors, je vais vous installer le micro. Bah oui, parce que j'ai un micro, c'est pas un casque. J'ai un micro, il est posé. Et il est posé sur quoi? Bah non, pas sur un trépied, ce serait magnifique. Sur une pile de DVD que je dois à chaque fois mettre à côté du clavier. Donc vous savez tout du backstage maintenant. Et je vérifie un truc. Oui, le direct est en place. Oui, c'est formidable, Jean-Pierre. Mais tu ne t'appelles pas Jean-Pierre, Christophe. Oh, bordel! On va faire un petit essai de la capture déjà, puis faire son volume, hein? Ça serait une bien bonne chose. Et on va aller jeter un œil à ce Ketsui. Moi, je suis très curieux de voir ce qu'il vaut réellement. Si on me l'a pas un petit peu survendu, le pépère. Ketsui. Kamui. Je suis un peu traumatisé de mon Ketsui qui me manque beaucoup. Oui, j'ai plus la PS4, mais j'ai toujours le jeu. Et donc, il est posé sur l'étagère et il me regarde régulièrement, chaque fois que je passe devant. Et puis, j'entends une petite voix qui fait joue-moi! Joue-moi! Moi! Il n'y a que moi quand on se te voit, mais je vous jure, elle existe, je l'entends. Et donc je le regarde, et je me rappelle que non. Et donc je feins de ne pas l'avoir vu, et je continue sur ma trajectoire d'un air super déterminé. Play! Play Kamui Launch Configuration. On va peut-être configurer le pépère avant. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte en 800-600? Mais c'est énorme! Ouh là là! Ah, mais il n'y a pas au-dessus du 800-600. Ça va piquer. Ça va super piquer. Est-ce que je me mets en plein écran? Non, j'ose pas du coup là. Bah non, parce que là, je vais avoir un truc riquiqui sur mon écran. Je vous rappelle que je suis en QHD, hein, ça va être vraiment marrant. Donc, bah on va y aller. Allez. Rotate display. Non, mais par contre, j'ai un écran que je peux passer en tilt mode, moi. Oui, j'ai carrément l'écran qui pivote, c'est vachement bien. Ça, les puristes me jalousent à chaque fois, alors que je ne m'en sers jamais, j'avoue. Et là, les puristes sont encore plus dégoûtés. Start game. Bah, start game, Kiki. Crash pas, hein. J'ai dit aux gens que je streamais quelque chose. Oui, le jeu marche. Vite, la capture. Oui, vous aussi, vous l'avez eu fort. Bah, on était deux, donc. Tout le monde a eu fort sur cette action. Ça m'a perturbé, j'ai pas eu le temps de finir ma capture, bordel. Alors, où qu'il est? Où qu'il est, le pépère? Le pépère, il est où? Hop, hop. Et tout devrait super bien se passer exactement maintenant.
Vous avez vu, c'est beau? Je peux le refaire maintenant. Non, c'est moins bien. Bon. Maintenant? Maintenant? Alors, je suis pas en plein écran, donc je vais peut-être pas y voir grand-chose. Hein. Comment ça, je fais le mec qui cherche des excuses? Oui, j'ai peur de me prendre une branlée par ce jeu que je ne connais pas. Et j'aime pas commencer un jeu en me prenant des grosses branlées. Parce qu'il faut comprendre sa jouabilité, et parfois les mecs s'amusent à mettre des règles, c'est pas du shmup de base, c'est du shmup avec un petit poil de finesse derrière, si t'as pas pigé les règles, tu te prends une tatouille. C'est la vie. Yes! Oh, je crois que je vais me passer en plein écran, parce que c'est vraiment miniature. Hein. Je sais même pas si mon écran fait du 800-600, parce que c'est très bas, faut y arriver. Ah ouais, non, mais je vais rien y voir, surtout qu'il a l'air bien speed. Alors, je suis désolé, les amis, je vais faire un kit. Un petit kit du jeu pour me le foutre en plein écran parce que on risque de pas être amis. Voilà. On va y arriver. Kamui, deuxième. C'est now. Alors, hop, play. Lance ce truc de config. Et là, cette fois, on se met en full screen. Vous l'avez chez vous? Est-ce que vous l'avez chez vous? Chez moi, ça clignote, hein, c'est inquiétant. Et chez vous, pot de balle, j'ai l'impression. Si, c'est bon. On n'est pas passé loin. Oui, je vais toujours voir encore les réglages qu'il y a derrière. C'est le vieux réflexe, vieux con, mais ça marche bien. Ça m'a l'air tout bien. Non. Voilà. Les boutons sont inversés, excusez-moi. Déploy. On va lire, hein, des fois qu'il y a des instructions. Oh, le gros pixel quand même. Hein. Quand je veux que ça, il y a un truc à recharger, je vois pas de jauge. En bas, il y a une jauge. Wow, 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 il va me plaire, lui. Alors, monsieur n'est pas si simple. Je me démerde avec ça et j'ai pas de méga bombe. Non, c'est rien, c'est rien. Hop, 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 2 secondes. Il est un peu limite, hein, sur la lisibilité quand même, le pépère là. Alors j'ai une hitbox qui est rikiki, c'est la bonne nouvelle, mais... Et en plus je tolère les touchettes avant d'exploser comme une grosse merde, ok. On va comprendre petit à petit. Hein. Il m'a mis de l'émotion là, le gars, comme on dit. Hop! Il me plaît ce truc. Alors je crois qu'il a 1 euro sérieux, hein, sur Steam pour les soldes.
Bon, franchement, ça les vaut carrément, quoi. Que chaud. Si, à me faire, lui. Oui, ok, je passe pas au milieu, j'ai compris, mais quand même. Ah ah. Le canaillou. Regarde-moi ça. Ah, ils aiment bien jouer avec... Oh là là, oui, ils aiment bien jouer avec les plans. Donc d'ailleurs, je me suis fait avoir à cause de ça. Et du coup, c'est super rigolo. Fais gaffe le milieu, fais gaffe le milieu, il va être pas content. Rappelle-toi. Tu vois, t'écoutes rien. Putain, non. Mais non, tu ne fais pas ça, Jean-Hubert. Non, pas ça. C'est assez mal foutu, on voit pas très bien cette phase. Les grenades là, enfin les torpilles, je sais pas quoi. Bon, ça c'est check. Donne-moi l'autre morceau là. Bye bye. Et un petit peu fouillis, c'est le truc qu'on peut lui reprocher. Donc, entre la lisibilité qui est un poil limite des fois, et puis l'effet de profondeur justement qui est. Il y a des moments, c'est un peu chelou quand même. Ça vous perturbe le regard plus qu'autre chose. Mémé. Je pousse le trigger. Oh là là, je repars à poil. Ah, 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 je suis en calcif. Et ils sont vénères. Regardez-moi ça comme ils sont vénères. Enlève tes petites mimines, je te vois venir toi. Enlève tes vilaines mimines pleines de doigts. Ah. L'autre aussi, elle est vilaine. Mais nettoie-moi cet écran là. Ah, ça c'est pas sympa, ça c'est pas sympa, je le sais, c'est pas sympa, ça veut un petit peu te suivre quoi. Monsieur, c'est où tes parties sensibles, clignotes, fais quelque chose. Allez. On va pas rester comme ça. Iche. Non. Bah, je refais pas si ça déclenche ça à chaque fois. Maintenant, je veux pas que ça le déclenche. C'est ça, casse-toi, pauvre lâche. Là. Vous avez vu ça? Je fais peur aux shmup. Ils savent que Monsieur K a un passif du shmup qui est assez monstrueux. L'autre, il vient par-dessus, carrément, tu sais. Ah, maman. Maman. Merde. Oui, non. Non, oui. Ça va devenir fouillis et compliqué, je sens. Gratuitement. Ah. Oui. Alors les petits lasers qui viennent de dehors, on sait pas trop d'où, ça c'est vraiment, vraiment la cerise sur la tarte au caca, quoi. Ah, ah. Je dois avoir un autre bouton que j'ai pas trouvé, c'est pas possible. Oh le bordel. Et les trucs au sol, je les bute comment, moi? Madame. Regarde-le, ça y est, il est énervé. Du calme. Pense à un truc sympa, des saucisses. Oh, t'aimes pas les saucisses, des merguez, des chiffons latins, je sais pas moi. Purée de toi là. Oh l'autre, c'est ça, ils se cassent les mecs, ils viennent juste pour la provoque. Non. Non, Nine-ish, not possible, not today. Edek, mal à la tête, Bobo, je peux pas là. Qu'est-ce qu'il y a du monde dans cette piscine aujourd'hui? Ça doit être la canicule, ça. Les piscines sont saturées, regardez. Ah, c'est bordel. Non. Mais comment je les flingue, les trucs au sol? Attends, faut que je lise le manuel, là, ça va pas du tout. C'est ça, ouais. Oh la vache. Les gars, solde Steam, 1 euro, foncé. Petit shmup, pas trop prétentieux, mais sympa et parfois un peu coriace, on dirait. Yébibibi. Avec des patterns un peu rigolos. Bien jouable. Alors, les petits soucis de lisibilité, hein. Merde, je suis con, hein. Les petits soucis de lisibilité, je réfléchissais à l'autre truc que j'avais repéré. Oui, et l'effet de profondeur avec la 2D là. 2D et demi. Des fois c'est un peu foireux. Je passe là moi. C'est comme ça, cherche pas. Y a rien à négocier. I'd never negotiate with the terrorist. Never.
Même quand ils ont des tentacules, que dalle quoi. Je suis obligé de dire des conneries pour vider mon cerveau là parce que. Je suis au stade où c'est. Voilà, tu vois le résultat, regarde, je suis un peu dans la panique. Légèrement, à peine. Les biches dans ta quiche. Ah, moi si je les prise, hop, purée, purée. Et là ça va devenir plus simple, tu vas voir. Biche. Et là, casse-toi, con de... Mime. Oui, je vais t'appeler Molette, toi aussi. Tu ne mérites que ça. Oh, les patterns sont sympas, parce que du coup, c'est des patterns inédits. Vous êtes là comme un cake, vous dites, je passe, il n'y a jamais de problème, je passe toujours, regarde. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que non. Non, ça passera pas. Merde. Bon, je vais me finir au gros tir, lui, parce qu'il a l'air quand même très très énervé pour son âge. Et... J'espère qu'il va pas nous faire une petite tachycardie, là. Ah, bouge ton cul. Hop. Remonte à la surface, si t'oses. Eh, c'est ça. Bouge, j'ai pas que ça à faire, moi. J'ai une audience. Oh non, arrête avec ça. Tu arrêtes, tu vas te faire mal. Non. Oh, mais c'est un truc con, mais j'adore. Le boss qui se rebiffe alors qu'il est mort, il fait un truc suicide où il fait tout péter. J'adore. Dans les shmups, ça, c'est signe de qualité. Sérieux, les amis. Kamui. Moins de 1€ sur Steam, vous y allez là tout de suite. En même temps, ouvrez notre fenêtre. Oui. Non, je suis sérieux, je déconne pas. Demain, il sera plus cher. Non, c'est jusqu'au 9, je crois. Donc, vous avez une bonne semaine. Et franchement, je vais publier cette chronique mardi. Tiens. Je devais arrêter les missions, la mettre en mode un petit peu vacances pour à partir du 1er juillet. Mais bon, vu que l'info est fraîche, elle est tacite, elle est valable, on va la partager. Hein. Donc je répète, pour les sourds et malentendants, vu que je ne l'aurais pas dit assez de fois depuis le début, je crois, Kamui, c'est ce jeu. Il est à moins de 1€ pour les soldes Steam. Faites-moi plaisir, foncez sur ce truc, il est sympatoche si vous êtes fan de shmup. Hop. Il a un petit côté 8-bit bien sympatoche. Il a ses patterns à lui, pas très sympatoche justement, mais c'est pour ça qu'on a envie d'y revenir. Et ben, franchement, c'est une bonne affaire. Là. Ça y est, j'ai fini mon mode publicitaire d'émission de télé italienne. Et ben maintenant, je vais vous faire voir le four qui fait tondeuse. Eh oui, vous n'êtes pas venu pour ça, le four qui fait tondeuse. Et je vous garantis que c'est le turfu, ça. Bon, faut aimer l'oseille, tout ce qui est avec des hachés, quoi, genre épineur. Mais bon, oui, dans l'oseille, j'ai aucun doute que vous aimez l'oseille. Pourquoi je peux pas flinguer ce sol? Il me manque une touche. My friends, you are not my friends. Sérieux, elle est où cette touche? Gâchette, machin. Je peux pas flinguer ce sol, c'est pas possible. Les mecs, ils ont pas fait un jeu, tu flingues pas ce sol. Comment ça, je parle tout seul? Mais je me motive là parce que ça arrose un peu. Bah oui, bah regardez en haut, et finito après. Bon alors là, ça va être le passage où on devient pas bon parce que je repars à poil. Il y a des énervés au sol, en l'air, dans tous les sens, à gauche, à droite. Ma priorité, c'est les tirs. C'est les tirs de quelle couleur, je sais plus. Regardez-moi ces énervés. Ah papa, le power-up. In my bab. Je suis déception. Toi, t'avais pas l'air commode. Toi non plus. Hop. Doucement. On a dit ni les affaires, ni les cheveux. Ouf, non. Nine. I don't want. I'm not consentant. Oh là là. Alors, un super play sur ce jeu, ça doit être impressionnant. Quoi. Parce qu'il faut gérer sa jauge de tir concentré, là. Il faut la gérer vraiment avec parcimonie. Pour pas se retrouver comme un cake, comme je vais l'être dans quelques secondes.
fuck aïe. Ah, que chaud, que chaud, que chaud, que chaud, que chaud. Oui, oui, quand je dis cru chaud, c'est que je suis vraiment désespéré, je sais plus quoi faire. Bon, là, j'ai une petite idée, ça va. Mais... j'arrive à me mettre sous des trucs, putain, mais c'est pas possible, ça. Il est méchant, il est très méchant. Je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de run à faire dessus avant de pouvoir dire « toi, je vais commencer à te faire tourner comme moi j'ai envie ». Il demande un petit calme un peu à la... Ah putain, ça, je sais pas comment on le flingue. Il a un petit peu de sang de cave hein, en lui, mine de rien. Alors, je sais pas si les pas connaisseurs comprennent ce que je veux dire, mais c'est... les connaisseurs, oui, ils ont pas de soucis, ils ont pigé. Oh, la durée des boss en plus, elle est juste hallucinante. je ne referai pas ça. Non, 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 non. C'est le cirque Grus là. Qu'est-ce que c'est que ce bronx? Je ne sais pas ce qui se passe. J'improvise au pire. Parce que normalement on dit au mieux, mais là je sens que je suis au pire quoi. On va faire le méga tir, j'en ai marre. Attends, faut que j'en charge. Pas maintenant. Not now. Be cool. Oup, 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 oup. Oh, ça pique! Ah, mais tu passes où là? Non? Et là, piou 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 les trucs là-haut. Oh putain, il y en a de partout. Everywhere! Non! Non! Je ne peux pas! Note d'accord, I do not agree. J'ai pas signé les TOS. Oh putain! Tiens dans ta quiche! Zwish! Zwish! Sérieux les boss, comme ils sont quand même bien spécifiques, on va dire. Je vous garantis que la première fois vous allez mettre le pad là-dedans, vous allez au moins autant queener que moi, je pense. Je spoil rien là. Et t'essaies d'être sympa, d'être laissé vivant et tout, et non, il te tire dans tous les sens, il remonte, il reste. C'est des squatteurs, quoi. Oh là là, comment tu passes? Houston, j'ai pas un problème, j'en ai plusieurs. Yaaaaah. Oh la vache. C'est un jeu où il faut y aller au culot, je crois. Beaucoup de culot, pas beaucoup d'astuces. L'espièglerie, je la laisse à votre libre mesure. Et ça passe. Peut-être. Des fois, Est-ce que je vous ai dit que ce jeu est en promo? Bon, c'est bon. Je vous ai dit son nom aussi. Fantastique. Répétez-le-moi. Ok. Pas Ketsui, hein, l'autre, Kamui. J'arrête avec ça, non. Recharge. Alors, j'ai pas compris comment recharger cette jaune. J'arrive plus à parler. Ce jeu m'a fait monter les battements. Je dois être à plus de 120 là. On va s'occuper de vous, les gars, parce que là, ça commence à être n'importe quoi. Il y en a marre. Toi, je vais tout dire à ta mère. Et regardez dans l'état où vous avez foutu mon short. Ah putain. Non. Non, pas comme ça. Je vais ressortir l'expression « Not in the floor of the edge ».« You bloody shark of the death of the killing mood ». Oui, bah, là, je vous ai dit qu'on y va un petit peu agressif, ça passe. Hein. Piche, piche, comme Madame Piche. Ah non, ça c'est quelqu'un d'autre. Bichiche, bibiche. Alors c'est dommage que ces petits reproches qu'on peut lui faire, putain les... que les bonus déjà on n'arrive jamais à les attraper, c'est le premier reproche, mais que les ennemis soient pas énormément variés, ouais. Ça on peut lui... qu'est-ce qu'il met dans la gueule? Ça on peut lui reprocher, parce qu'il y a une franche redite là. Ah un boss, je pense que le boss je vais pas avoir problème de redite. Salut! Tout ça pour moi? Non, 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 mais il faut pas les gars.
Il me manque une touche, je suis sûr. Faut que j'aille dans les contrôles, sérieux. Je peux même pas faire pause. Mais oui, mais oui. The Carioca, you know. So, let's dance. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces patterns de taré? Oui, ils sortent d'où? Je pense qu'on est sur le dernier tableau et que je vais manger des godivots. C'était pour la rime. Hop, purée. Ce jeu est agressif. Ce jeu est très agressif. Oh la vache. J'ai l'impression d'être dans une machine à laver. Non, cassez-vous. Voilà, en fait, faut attendre qu'il se barre tout connement. Ok. Je suis sûr qu'il me manque une touche, t'empêche. Arrêtez avec les éclairs, ça me fait plus rire. No fun, no fun, les choux. Ah, 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 je vais gerber. Il a pris quoi, le programmeur, quand il a fait ce niveau? Oh la vache. Non, je vous tire pas dessus avec le gros tir, c'est pas la peine. J'ai perdu mon humour. Voilà, je me jette volontairement sous les poulets. C'est pire que du Cabrel. Non, non. Not me, I wasn't ready. Bouge. Ah, elle est dans le sens de la marche, parce que là, j'étais pas bien. Allez, à nous. Yeah. Et là, il va tirer au milieu. Voilà, classique. Mais efficace, toujours. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Non. Non, tu ne... Mais non. Tu ne fais pas ça. Not like this. Mais... I'm not aware. Non, ça va être quoi, ça, encore? Ah, y a de la sensation quand tu découvres les patterns. Hein. T'es là, tu fais... Le jeu, il te balade. Reviens. Dommage que t'es pas ta jauge que je vois ta vie parce que tu es long je trouve, tu es gratuitement long là. Hoppa, c'était un peu tard pour bouger. Le syndrome Scatman, c'est quand c'est la panique totale. On va y arriver. Encore un petit coup. Allez, le dernier là. T'en as trop pris. Oh putain, il y a encore des morceaux. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être trop simple. Ça va être trop facile. Ça va être évidence. Je fais comme si j'étais dans un quai, hein. Alors, ça fait bizarre à écouter. Arrête. On peut être amis. Regarde. Il me fait la totale, lui. Mais dégage. C'est quoi ce pattern de... Alors, tu peux lui break, c'est... tu peux lui cancel, tu peux lui annuler ses tirs avec ton méga tir à toi, mais... C'est méga, ça fait mal. Ça fait mal. Pff, comment j'ai survécu à ça, moi? Non, mais sérieux. Ah. Après, hein, Shazam. Non, j'aurais mieux fait d'utiliser mon méga tir. Et les tirs, ils continuaient encore après, vous avez vu? Ce jeu est perle. Je crois qu'on a fini le jeu. Je me demande si je vais pas me servir de ce stream comme review du coup, parce que... Ah, il y en a encore. Voilà. Je vais pas le faire voir en entier si je le fais en review, parce que... Pas trop envie de spoiler. Donc normalement, si je veux pas ce stream-là, je vais mettre la coupure ici, parce que... Vous gardez la surprise de la fin, c'est plus sympa. Ah putain...
Attends. Je crois que la fin, on est dedans, là. Hein. Ne regardez pas ça. Ça, je vais le couper au montage. Je veux pas que vous le voyez, vous aurez moins envie d'acheter après. Moi, je continue parce que je suis le sagouin et je veux savoir ce qu'il y a jusqu'au bout, quoi. Je vous ai dit le prix? Non. Moins de 1 euro. C'est fou quand même. Foncez vite le récupérer. Vous allez jusqu'au 9. Ça donne l'impression que je touche un chèque chaque fois qu'il y en a une vendue, mais à 1 euro, quoi. Je vous dis pas la gueule du chèque. Ah, sa mère. J'ai pas eu le temps de déclencher. C'est dommage qu'on ait pas assez de bonus pour augmenter le tir par défaut, quoi, le tir pulsé. Et je peux rentrer à la maison après, promis. Parce que là, je sais pas combien de temps il va durer celui-là, mais je sens qu'il va pas me faire rire. Donc je rigole tout de suite, là, j'en profite. Puis les mouchoirs, je les repère, là, c'est bon. Parce que pas tarder, ça va être utile. Aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer? La musique sympa. Je fais des petits coups maintenant comme ça. Tu veux jouer au con? Ok, on va jouer au con. Attends, je recharge, je recharge, je recharge. 2 secondes. C'est qui le boss? Target, j'ai pas réussi à le voir. Il me manque une touche, j'en suis persuadé. Si je suis arrivé aussi loin en faisant pas trop de caca et qu'il y avait une touche que j'ai pas du tout exploité pendant tout le jeu, franchement, je suis un Godmaster of the game. Oui, je réclame cet achievement parce que... Il serait... Regardez ça, il est mérité. Mais c'est pas la fin, ça. Moi, pas ça. Non, non, non. Voilà, ça, c'était le... C'était le Lufia du gardien. Bah oui, le gardien, tu le vois jamais directement. T'as déjà la secrétaire, après t'as le portier, après t'as le contre-portier, après... Ah, papa, papa, je parle plus. Plus jamais. Tiens. Non, 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 non. Nine, nine, never, never again, never again. Même à pied, quoi, laisse tomber. No way. Eh, pépé, c'est quoi ça? Là, ça sent bien bon, le clafoutis qui pue. Le clafoutis qui pue. La nouvelle recette de TBG. Mais crame, bordel de truc. Mais crame. Non, de ce. Alors, bouge, 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 rebouge. Allume. Un de moins. C'est pas une raison pour te mettre sous le deuxième, quoi. Mais bon, chacun son trick. Hop, putain. Là, il va être vénère. Je sens qu'il va être vénère. Je sais pas ce que c'était, mais je veux pas le savoir. Ich. Non, pas les lasers. Ah, pas les gros lasers non plus, j'aime pas bien. Ah non, avec les trucs au milieu, ça va pas du tout. Alors, pas du tout, quoi. Non, avec ça non plus. Les crèmes. Et quand on le touche, ça pète. Dommage pour moi, ça. Oh, j'en ai marre. J'avoue, j'en ai marre. Les boss sont un poil trop longs. Oui, mais même. Alors, j'ai eu plein d'achievements qui sont affichés sur l'écran au fil de la partie. Et je pense qu'ils sont un peu mérités. C'est pas fini, il faut que je lock le fond et je sais pas comment locker à part que j'ai mon laser à la con. Ça va durer 6 mois cette affaire. Je sais pas ce que ça fait ça. C'est toujours bon à taper. Hein. Hop. Hop. Hop.
Je suis un peu nawak, hein, je dois avouer, mais c'est un peu l'affolement face au pattern qui arrive sur ta gueule. Et voilà, c'est carrément l'affolement. La panne de laser qu'il fallait pas. C'est bien long. C'est épuisant. J'ai pas trop compris, mais on va dire que c'est normal. Parce que le courage et l'adversité finissent toujours par gagner. Vous m'achetez? Comment ça? J'ai pas été du tout convaincant. Alors, j'ai pas les retours du chat, parce que je les ai recouverts d'une autre fenêtre, idiotement. Oh putain, il y a encore un niveau. Non. Non, 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 non. Est-ce que je vous ai dit que ce jeu était à 1€ pour les promos Steam? Ouais, sûr? En promo, ouais, ouais. Je vous ai dit jusqu'à quand? Ok. Il me manque une touche, les gars. Attends. Putain, je peux pas régler les touches ici. Je suis dégoûté, quoi. Ce lock, je dois pouvoir le faire avec quelque chose. C'est pas possible, quoi. Putain, flûte. Là voilà, je pouvais avoir un power-up, mais je l'ai surtout eu DMC, hein. Et sans courir. J'essaye d'y mettre un peu de sérieux, mais ça ne paye pas vraiment. Je crois qu'il se rapproche, les gars. Non. C'est bien parce qu'il l'annonce, hein, quand même, il est sympa. Mais ça change pas au fait qu'on soit un peu terrorisé.
Alors faut vachement bien se servir des cancels parce que ça peut vous aider à vous sortir de la situation dans des moments qui sont à peu près tragiques, hein, pour pas dire fatal. C'est fatal. Non, c'était la boucherie. Quel striptease, mes amis. Et oui, on dépoile le boss ce soir. Et apparemment, il a mis les habits de gala. Hein. Ah! Oh la vache! Il y a 10 minutes, j'avais pas dit que j'arrêterais. Non! Il est énervé là. Il est super énervé, ça se sent un petit peu quand même. Normalement, j'aurais pas dû le contrarier comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on se fait des amis, c'est pas tous les jours. Oh la vache! Jamais il se tire dessus lui-même, ce serait trop bien. Apparemment, c'est trop demandé, surtout. Reste en paix, vermine de l'espace. Tu m'as épuisé avec la chaleur. On est à combien? Je vous avais dit qu'on terminerait le stream peut-être à 34 degrés. On est à 31. Il y a un niveau suivant, j'espère. Non? Allez, pour me faire plaisir. Eh ben merci Camouille. Si ça se trouve, cette émission enregistrée à l'arrache, bah, ça va être la chronique de ce jeu, chopé sur un coup de tête, bon plan solde. Et franchement, ça vaut la peine, quoi. C'est super jouable. Je vous l'ai fait voir en jouant comme un grand quignol. Maintenant, libre à vous d'essayer de faire le jeu en un crédit. Et là, je pense que c'est pas la même paire de manches. Vous avez vu les patterns de boss? Ils sont pas super compliqués, mais faut bien gérer le timing et rester régulier. Parce qu'ils sont un petit poil longs quand même, hein, mine de rien. Boire un coup. Il est noir cet écran. Ah. Oula. Bon, le programme a planté, c'est pas un drame. J'ai voulu faire un alt tab qui était peut-être un petit peu délicat pour ce jeu. Mais bon, Camui. Tu n'en restes pas moins validé et je suis très très heureux d'avoir mis le pad dans tes boulettes. J'ai pris une belle dérouillée, mais t'inquiète, I will be back. Et vous aussi j'espère. D'ailleurs, pensez à vous abonner et puis pensez à communiquer la chaîne à des amis. Hein, puisque plus on est de fous, plus on rit et plus il y a de boulettes. A bientôt sur YouTube, ciao.